je n'apprécie pas ça. Moi-même, j'étais victime de ce que vous venez de dire. La fois passée, je suis allé déposer ma pick-up que vous voyez là. J'avais un problème de la lunette arrière cassée. J'ai acheté la lunette, je suis allé chez un taulier déposer ma pick-up pour placer la lunette arrière cassée. Je lui laisse le contact. Je suis parti à la maison. Il me demande pour poser ça, ça va prendre au moins 3 ou 4 heures. Bon, je ne pouvais pas rester ensemble avec lui, je suis allé à la maison. Or, derrière moi, il n'a pas posé la lunette arrière. Il prend la voiture. C'est maintenant sa voiture. Quand je reçois un client, j'ai le devoir d'essayer la voiture. Mais moi, avant d'essayer la voiture, il faut que j'ai un permis avec les dossiers du client, les dossiers de la voiture. Parce que je peux sortir avec la voiture, en essayant la voiture, je peux faire un accident. Le travail va te prendre 2 jours, 1 semaine. Et le garagiste a mandat d'essayer la voiture 1 seule fois. Quand on lui a déposé la voiture, il a fait l'état de la voiture avec son permis. Il vient, il garde la voiture ne peut plus sortir. Ce n'est pas de la même manière chez les laveurs. Le laveur, c'est quelqu'un qui lave la voiture. Il n'a pas le droit d'essayer la voiture d'autrui ou de sortir avec la voiture. Sinon, moi, je tombe pas d'avis avec les gars, les laveurs qui vont rouler avec les voitures des clients. Ça, c'est pas bien. Je lance un appel aux propriétaires du véhicule. Quand ils déposent leur véhicule dans des garages, ils ont mandat de savoir si le garagiste aussi a un permis.